La représentation va bientôt commencer. Pour la commune d'Azera, le théâtre fait vraiment partie des meubles. Il fait partie du patrimoine local, au même titre que l'église ou que le club de football. Alors il nous faut l'adresse de cette femme. Hein. Mais puisque je vous dis que je ne la connais pas... Depuis 26 ans, la petite troupe de comédiens amateurs donne rendez-vous à la population pour leur présenter leur dernière création. C'était une nouvelle fois le cas, samedi et dimanche dernier. Écoutez, je sais tout sur tout, c'est vrai. Mais je n'ai jamais rien dit à propos de votre problème. La salle des fêtes était pleine à craquer pour la représentation des trois pièces concoctées par Odette Journoux. D'abord la première, le bureau des lamentations. La mairie a ouvert un bureau pour que les gens viennent se plaindre. Et évidemment, on en voit de toutes les couleurs. La seconde pièce, c'est le conseil municipal. Une femme a été élue pour la première fois dans une petite commune. Donc, ça fait la révolution. Et la troisième pièce, c'est un kilomètre à pied, ça use. C'est une histoire qui se passe en randonnée, où on s'aperçoit que la langue marche mieux que les jambes. Je suis muet comme une tombe, sauf si on me cherche des poux. Allez. Plus de deux heures de rire en compagnie de ces comédiens amateurs, unis par la même passion. Toi me dit qu'il y avait un billet dans ce porte-monnaie quand vous l'avez gagné. Rendez-vous l'année prochaine pour les nouvelles créations de cette dynamique et sympathique troupe.